Chers frères et sœurs, aujourd'hui, je suis là pour vous parler un peu du bain de purification selon le jour de la naissance de chacune. Vous voyez, nous avons 7 jours. Nous avons le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Et si tu es un enfant et puis tu es né le lundi, il faut savoir que quand tu as des difficultés, si tu as des problèmes par-ci par-là, il y a une plante pour toi et tu vas t'en servir de cette plante-là et puis faire le bain spirituel pour pouvoir accroître beaucoup de chance et chasser maintenant les ondes négatives qui est sur toi. Tout à l'heure, je vais vous présenter ces plantes-là, chacune de ces plantes à base du jour de naissance de chacun. Merci beaucoup et suivez-moi. Allez nous entendre, je vous dis à ta voix, à maman, nous dépêchons. Voici la présentation de la plante Calotropis procera. Voilà, la personne qui a des problèmes au niveau des boulots, au niveau des activités, le problème de femme, le problème de mari, va chercher cette plante, les feuilles, et maintenant préparer un bain spirituel en ajoutant du sel de cuisine et se doucher avec. La personne qui est née le vendredi, va utiliser cette plante. C'est de la même sorte que la personne qui est née le mercredi va aussi utiliser cette plante pour la purification spirituel pour le rappel des anges du bonheur et d'amour. La plante s'appelle Calotropis procera. Merci. Voilà. On cherche comme ça, on triture dans l'eau et maintenant on fait le bain. Voici la présentation de l'hysope africain. Voilà. C'est la plante qu'on appelle hysope africaine. Voici ses feuilles. Les personnes qui ont des problèmes de la société, le problème de mari, le problème de femme, on va enlever cette feuille-là en quantité et faire le bain spirituel avec ça. Surtout les personnes qui sont nées le samedi, le dimanche et le lundi. Enlever cette plante-là en quantité. Il peut enlever la branche comme ça là. 7 ou bien 8. Et puis maintenant, mets ça dans l'eau et triturer proprement et faire un bain spirituel et se laver avec ça. Voilà. Quand il fait le bain, il va ajouter maintenant le sel de cuisine et puis maintenant préparer son bain et se toucher avec ça. C'est cette plante qu'ils vont utiliser pour leur bain spirituel pour pouvoir enlever les mauvais sorts qui sont sur eux. Voici la présentation de la plante Jatropha gossyra bifolia. Voilà, c'est la plante comme ça. Vous voyez, voici la représentation de la plante. La personne qui est née le mardi et qui a des difficultés, des problèmes de mari, des problèmes de femme, des problèmes au niveau des activités, va chercher cette plante et maintenant préparer un bain spirituel avec cette plante. Ajouter du sel de cuisine dans le bain et se doucher avec pendant 7 jours. Voilà. Voici la présentation de la plante qu'on appelle Combritum micrantum. Voilà. Il a beaucoup de vertus. La personne qui est née le jeudi et qui a des problèmes par-ci par-là, des difficultés dans des domaines, des difficultés de mari, de
de mari et de femme, il va chercher cette plante-là en quantité et préparer maintenant un pain spirituel en ajoutant de sel de cuisine et se toucher pendant 7 jours. Voilà. Complétons mes crans. Voilà. Voilà, je vais vous présenter la plante qu'on appelle Eliotropium indicum. Voilà. Voilà la plante. Si vous regardez bien la plante, vous voyez un peu les feuilles et sur la tête les fleurs sont un peu blanc. Voilà. La personne qui est née le jeudi et qui a des problèmes de mari, le problème de femme, les problèmes dans les activités, le problème de la famille, par-ci par-là et qui ne sait pas où se trouver, il va chercher cette plante-là, cette feuille-là et préparer maintenant un bain spirituel avec ça en ajoutant du sel de cuisine et se toucher pendant 7 jours. Voilà. Eliotropium indicum. Je vais profiter pour vous notifier que toutes ces plantes qui ont été présentées à base du nom de la personne qui a le problème et qui est partie chercher ces plantes-là, au cours du bain de la purification, nous avons un savon qu'on a préparé à toutes ces personnes du lundi jusqu'au dimanche. C'est le même savon que vous allez utiliser. Vous voyez un peu, c'est le savon que vous allez utiliser pour le bain de ces 7 jours. Parce que le bain dure 7 jours. Le bain spirituel dure 7 jours. Donc vous allez commander ce savon. Vous allez commander, c'est très important pour le bain spirituel qui permettra de vous ramener des effets très très positifs et puis enlever les ondes négatives qui sont sur vous. Toute personne qui voulait beaucoup de renseignements, vous pouvez me contacter sur mon numéro WhatsApp. Merci. Atete wa ye kijaba. Baba.